Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous? On dit tout le temps la même chose. Eh oui! Ben, on espère que vous allez bien. Oui. Par cette belle journée d'automne. Oui. Les feuilles tombent, les feuilles tombent, les feuilles sont tombées. Hein. Il y en a quasiment plus. Il y a des personnes qui m'ont demandé, il fait-tu froid chez vous? Ben, ça commence, là. C'est pas des moins 30, moins 40, là. On a eu des belles journées, là, 13, 14 degrés le jour. Oui. 13, 14 degrés pour en maximum. Pour un mois de novembre, là, c'est oui, il n'y a pas eu de neige encore, pas de flocons, pas de petits, non. Non. Ça devrait arriver le 18 ou le 19 novembre, je pense qu'ils commencent à annoncer quelques petits flocons, mais bon. Ben oui, mais de toute façon, il faut s'y attendre, hein? Ben oui. C'est pour ça qu'on s'en va. Oui, on parlait week-end, là. À partir de ce week-end, on s'en va trois week-ends. Trois week-ends qu'on va vous faire découvrir aussi. On va voir si on peut faire ça dans des chalets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a encore les visites aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est réponse aux questions sur la peinture. Et à la fin de cette vidéo, donc après les questions, on vous met la visite de... Micheline à Tarbonne. Micheline, c'est ça. Oui. Mais on a eu du plaisir avec elle. Savez-vous qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, je ne m'en rappelle pas. Ben moi, je me rappelle. C'est qu'on a tourné, on a fait le tournage d'habitude. Ah oui. On avait le tournage, on parlait avec elle, elle nous montrait tout. Ben, ça a duré une heure quasiment, là, comme d'habitude, c'est à peu près une heure. Et tout d'un coup... Il n'y avait pas de petite lumière rouge comme qu'on voit là en ce moment. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Le bouton de la caméra, donc on a fait tout ça pour rien. Pour rien, il a fallu recommencer, pauvre Micheline. Et pauvre nous. Ah, ben, oui. Bon, on savait tout par cœur, qu'est-ce qu'on allait lui demander. On a fait comme une répétition. Non, oui, mais quand même, tu sais, c'est comme improviser, tout le temps improviser. Donc c'est oui, c'est vrai qu'on est reparti sur un peu ce qu'on avait dit la première fois. Mm-hmm. Puis on est reparti dans l'improvisation immédiatement. Ouais, là, c'est reparti comme mais ça. C'est la première fois que ça t'arrive, chérie. Parce que oui, c'est vrai. Parce que c'est, moi, je trouve que c'est bien quand c'est naturel, là, que c'est pas répété, que c'est sûr que on découvre en même temps que on fait la vidéo ce que les personnes qu'on visite ont à nous montrer, ont à nous expliquer. Fait que c'est ça qui est bien, c'est qu'on le découvre en même temps que vous. On fait comme, tu sais, des... C'est ce qui fait que c'est beau, parce que c'est naturel, quoi. C'est bien. C'est ça, l'improvisation. Là, c'est tout à fait, oui. C'est plaisant, c'est le fun aussi. Là. Oui, donc là, vous allez voir, ça commence, on a un petit fou rire, mais c'est ça. Donc, c'est de suite après les questions-réponses, on vous met la vidéo de Micheline. Le fou rire, c'est à cause de ça. Oui, ben c'est ça, c'est à cause de ça. On et son mari, le petit cachetier, il était là dans le coin, puis il riait lui aussi. Ben oui, il riait aussi. aujourd'hui aussi, on a des choses à annoncer. Oui, on a le 24 novembre prochain à 13h, on va avoir le webinaire. On a fait un sondage. Et le sondage, c'est ombre et lumière. Oui, on voulait savoir si vous préfériez ombre et lumière ou un webinaire un petit peu plus libre où on répondrait aux questions, un peu comme on le fait ici, mais vous pourriez poser des questions vraiment en direct. Donc, vous ferez venir à l'écran tout ça. Puis les gens ont préféré les ombres et lumières, mais on remet l'autre pour plus tard. Peut-être, ça serait le fun. On l'essayera un jour. Ben oui, pourquoi pas. On vous fait venir dans notre salon. Puis, ou sur notre terrasse quand on sera au Mexique. Oui, et bientôt, là, au début de décembre, je vais vous faire des recettes qu'on va intégrer, là. Des petites vidéos de recettes, oui. Des petites vidéos à ce que ça tente, naturellement. Mm-hmm. Et puis, on aura encore, bien sûr, on a encore 4 autres visites à vous montrer. Oui, au début de décembre. Ben, il y en a une là. La semaine prochaine, il y a Guylaine. Oui. La semaine prochaine, c'est Guylaine. La semaine d'après, il n'y en aura pas. Puis après, on repart sur 3 semaines avec des visites encore. Oui, après, c'est fini. Une autre petite annonce. Oui. Dans le temps des fêtes, malheureusement, pendant 2 semaines, il n'y aura plus de... On va sauter les deux samedis parce que nous... Aussi, ça va être compliqué pour nous parce qu'on reçoit de la famille, donc on va être très occupés, puis il n'y aura plus beaucoup d'espace, vous voyez. Ça va être un petit peu plus difficile, on n'aura pas trop le temps, puis on suppose aussi que vous aussi, vous allez être très occupés avec les fêtes de fin d'année, les familles, tout ça. Donc, on va sauter peut-être 2-3 semaines et on reprendra en janvier. Ben qu'est-ce qui va être le fun, c'est qu'ils vont s'ennuyer, puis nous aussi. Ben oui, vous allez vous ennuyer de nous, hein? Ben oui. Puis nous aussi, on va s'ennuyer de vous. Oui, mais ceux du mercredi vont quand même continuer, même pendant le temps des fêtes. Oui, parce que les vidéos du mercredi sont tournées d'avance. Oui, c'est ça. Fait que les questions et réponses, on va stopper, moi que vous en mettez, puis j'y prends quand même, puis on les posera au mois de janvier. Oui, c'est ça. Oui, mais mettez-en pas trop, là, parce que sinon ça va faire ouh! Et comment commencer? On a 11 questions aujourd'hui. 11 questions, c'est bon.
On va commencer, tu sais, la vidéo de la palette zone que tu as faite. Oui, la palette zone. Il y a Valdoro. Bonjour, Valdor. Valdoro. Une petite question secondaire. Vous avez peint sur une toile ou du papier toilé quand tu as fait... Ah, j'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire du papier toilette. Ça, tu peux le peindre tout seul quand tu y vas. Faudrait que j'essaye ça un jour. Je me semble l'image de moi, René, peindre du papier de toilette. Avec les doigts. Oh, OK. Passons. Alors, c'est censé... Sur une toile ou du papier toilé? C'est de la toile, de la vraie toile. Voilà le tableau de la palette Zorn. Et vous voyez, c'est vraiment de la vraie toile. Je le tourne. Alors, on voit que le gesso avait passé au travers un petit peu. Hein, lorsqu'on a appliqué les couches de gesso, alors c'était un gros rouleau de toile que j'avais fait venir, que j'avais commandé pour faire mes exercices comme ça. Mais j'ai fait une erreur dans ma commande, j'ai commandé une toile non apprêtée. Mm. Je savais qu'elle serait grosse, c'était un gros rouleau, mais elle était non apprêtée. Il n'y avait pas de gesso dessus. Fait à chaque fois qu'on veut s'en servir, eh bien, il faut qu'on mette du gesso. Mmh. Donc, c'est Linda qui a fait ça cet été. Elle a couvert au rouleau du gesso sur des pleins, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de toiles, de morceaux comme ça. Et deux couches, trois couches, poncer entre les couches, remettre du gesso. C'est super, c'est vraiment bien parce que moi, je coupe des morceaux, je les colle avec du ruban adhésif sur une planche et puis je peux faire mes exercices, mes peintures là-dessus. Et si jamais, le tableau est vraiment beau, que je dis, ah, mais ça, je ne vais pas le jeter, là, je veux le garder. Ben là, on peut le monter sur un châssis ou on peut le coller sur de l'isorel, du maçonnite au Québec, isorel en France, on peut le coller et l'encadrer après. Ça devient comme une toile cartonnée, quoi. Ça veut dire que comme ça, une toile, comme ça, un exemple, c'est très, très, très beau, puis tu veux l'envoyer en France, c'est facile. Ah, ben là, tu ne montes pas, tu fais que la rouler. On pourrait la rouler. Si elle est grande, on peut la rouler. Ouais, vous l'envoyez, puis ce sera à vous de la monter dans un châssis, pourquoi pas. Ben oui. Parce que faire un châssis, c'est pas bien compliqué. Monter avec sur un châssis, c'est pas compliqué du tout. Mm. Mais c'est ça. Non, je préfère ça à du papier entoilé. Sauf que, cette toile que j'ai achetée, vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité. Elle est très, très solide. On peut pas la déchirer, mais elle est très rugueuse. Le grain est très fort. Donc là... C'est plus rugueux qu'elle. Je pense qu'une fois que j'aurai pas mal épuisé mes morceaux et qu'il faudra en refaire, on va appliquer plus de gesso encore, la travailler beaucoup plus. Parce que quand je peins dessus, vous allez le voir dans d'autres exercices, d'autres vidéos où je fais des démos, j'utilise beaucoup ces choses-là. J'ai du mal à cacher les petits points, Même il y en a encore. Oui, il y en a encore. Ben oui, parce que quand même, je fais ça très, très vite. Hein. Ouais. Quand je peins sur une démo, je veux pas faire ça en 3 heures. Je veux pas il faudrait que la vidéo même soit pas accélérée. Ça serait bien, là, prendre un peu moins de temps pour le faire. Donc, c'est pour ça. Okay. On continue avec Greg. Bonjour, Greg. Bonjour, Greg. Faites-vous des paysages de forêt canadienne? Il disait, quand il a écrit, probablement, c'était la saison des couleurs rouges avec l'automne, et il pense que ce serait magnifique. Ça serait magnifique, oui. Okay. Alors, pour les paysages d'automne au Canada, au Québec, vous savez, les arbres rouges sont les érables qui rougissent. Ils sont d'un rouge parfois très, très vif. Mais il n'y a pas que des érables. Alors, on se retrouve avec des mélanges. Hein. Si vous avez une forêt, vous avez du rouge, vous avez du jaune. Ce sont les jaunes, c'est les bouleaux. Vous avez du vert parce qu'il y a encore des sapins, des épinettes, des résineux qui resteront verts tout le temps. Donc, ce sont des couleurs très différentes. Eh bien, c'est très difficile à rendre sur une peinture une belle harmonie colorée. C'est vraiment très difficile. Alors, ça fait des super belles photos. Ça va faire des beaux tableaux, mais il faut être méfiant, il faut faire très attention. Si on est dans le rouge, il vaut mieux rester dans le rouge, l'oranger, le jaune, ça marche. Pas trop intégrer des verts, ça viendrait débalancer l'harmonie colorée. Si on est dans une forêt où il y a beaucoup de bouleaux, parce qu'ici, il y a des forêts de bouleaux aussi, où il y a pas d'érable, hein. Là, c'est beaucoup du jaune, c'est très beau aussi. Donc, on se retrouve avec des couleurs dominantes, et il faut une couleur dominante. C'est ça. Alors, des trucs d'automne, j'en ai ici, je peux vous en montrer. Alors ça, ce sont des tableaux que j'ai fait pour la formation en ligne de la peinture, c'est facile. Alors, pour répondre aussi à la question, on n'est pas allé peindre dehors cet automne parce que... Non, c'est pas eu le temps. Non, c'est ça. En revenant de France, on avait beaucoup, beaucoup de tableaux à faire
pour la, des cours pour la peinture, c'est facile, pour la formation. J'essaye de répondre aux demandes qui sont dans la boîte à idées. Et des cours de peinture en extérieur sur le motif, j'en ai déjà fait pas mal. On en refera encore, mais plus peut-être quand on est dehors l'été, tout ça. Des forêts d'automne, il y en a déjà sur la formation. Il faut faire d'autres choses. Hein. Il y en a, c'est tellement vaste les sujets. Donc, on alterne. Et donc, c'était pas trop le temps là de pouvoir aller peindre dehors ces choses-là, ces forêts-là. J'avais fait l'année passée, la rivière en automne, tout ça, à Beaumont. J'en ai fait, il y en a. Mais d'ailleurs, on a plein de photos de toute façon. Pour la, vous donner des informations là, sur la formation, la peinture, c'est facile. Cette formation à laquelle beaucoup de personnes parmi vous sont déjà inscrites et utilisent cette formation. J'ai fait une mise à jour des heures de cours qu'il y a dessus parce qu'on en ajoute toutes les semaines. Mm-hmm. On rajoute un nouveau cours toutes les semaines et puis à un moment donné, j'ai perdu le compte. Hein, je ne savais plus combien il y a. Là, j'ai fait la mise à jour. Donc, actuellement, il y a 420 cours. Alors, 420 cours, ça ne veut pas dire... parce qu'il y a des formations où ils vous disent il y a, mettons, 200 cours, mais un cours, c'est... Admettons, ils font un tableau, un cours, c'est faire le dessin. Un autre cours, c'est faire la première couche. Un autre cours, c'est faire les arbres. Un autre cours, c'est faire la rivière. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, moi, quand je dis 420 cours, un cours, c'est le tableau complet. Par exemple, ça, vous voyez, c'est du dessin. Ça, c'est un cours. Mais dans le cours, il va y avoir des chapitres, des étapes, tu sais, comment faire la première couche, comment faire le fond, comment faire les arbres en avant, tout ça. Il y a des étapes, mais je ne les considère pas comme des cours à part entière. Pour moi, le cours, c'est le tableau. Alors, il y a 420 cours dans la formation, on va dire séparés en 997 vidéos pour un total de 564 heures actuellement. Aïe, aïe, c'est beaucoup. Fait que vous dormirez pas beaucoup. Je comprends alors, pourquoi je suis fatiguée, hein, tout dans les montages. Alors, c'est sûr que vous allez dire, oh mon Dieu, mais c'est trop, il y en a, jamais je passerai mon temps là-dessus. Attention, c'est parce qu'il y en a pour la peinture aquarelle, il y en a pour le pastel sec, le pastel à l'huile. Pour toutes les goûts. Il y a l'acrylique, il y a pour ceux qui veulent faire que de l'abstrait, de la créativité, il y a pour ceux qui veulent faire que du dessin, que des paysages, des portraits, les animaux, les fleurs, tu sais. Donc, il y a du choix, il y a beaucoup de cours, mais si vous allez uniquement sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous allez, y passer, c'est sûr, beaucoup de temps. Vous allez avoir de la satisfaction à faire tout ça sans être obligé d'aller voir tout le reste. C'est un petit peu comme une encyclopédie de la peinture. Voilà. Voilà, ça, c'en est un des paysages d'automne. Je vais donner un exemple. C'est que comme ici, on appelle ça super écran. Qu'est-ce qu'on loue, là, les choses à télévision? Netflix. Ouais, Netflix. Un peu comme Netflix, oui. Un exemple, on paye 20$, mais il y a beaucoup, beaucoup de films. Mais si t'envoies comme 5, 6, 7, 8... Ça vaut ton 20$. 20$. 20$, ça veut dire 20$. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle en vieux français. Hein? Les vieux français. Mais c'est ça, c'est vrai. Quand tu fais un abonnement, tu n'es pas obligé de tout voir. Sinon, tu n'auras pas fini. Et aussi celui-là. Là. Alors, je vois que ça ne brille pas trop parce que là, ça brille. Alors, le premier était à l'huile, était à l'acrylique, celui-là est à l'huile, oui. Mm. Alors, on fait, voilà, ça, c'était un paysage d'automne d'ici, du Québec. Hein. Mm. Alors, ce n'est pas toujours complètement en rouge, hein, c'était un mélange un petit peu. Alors là, la dominante est verte et puis j'ai été chercher un petit peu des couleurs complémentaires. Enfin, ça doit briller beaucoup parce que les projecteurs sont en face. Mais voilà, donc c'est ça, j'en fais. On en fait, il y en a plusieurs. Il y a le bain en automne, il y a pas mal de cours comme ça avec de l'automne, oui. Mm. Ben oui, c'est ça. On varie énormément. Oui, c'est ça, oui. C'est cela, oui. Autre question, madame? Ah oui. Oui, c'est Fred. Bonjour, Fred. Bonjour, Fred. J'espère qu'il ne s'appelle pas Fred Caillou. Ah, Caillou, c'est Fred? Non, Fred Caillou dans les Flintstones. Ah, ok, non, je... non, les pierres à feu, oui, Pierre connaissait Pierre à feu, mais moi, je n'ai pas vu le film, je pense. Ah, ok. Bon, sa question. Je trouve la terre de cire naturelle à l'huile toujours beaucoup trop transparente dans toutes les marques de peinture que je peux trouver en France, soit le Franc-Bourgeois, Van Gogh, Rembrandt. Il dit, est-ce que tu connais connaissez-vous une huile de terre de cire naturelle opaque? Non. Non? Une autre question? non, je ne connais pas la terre de cire naturelle opaque. J'ai lu les questions, je suis allé voir dans mon stock, je n'ai pas de terre de cire naturelle. Je n'en ai pas à l'huile.
Peut-être même pas en acrylique, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, non. Mais par contre, vous savez qu'il y a une très grosse similitude dans la couleur entre la sienne naturelle et l'ocre jaune. Selon les marques, vous pouvez avoir une sienne naturelle dans une marque qui correspond parfaitement à l'ocre jaune dans une autre marque. Et l'ocre jaune sera certainement plus opaque, je pense. Alors, vous pourriez peut-être faire cette recherche-là. Votre sienne naturelle que vous aimez, la couleur, essayez de voir si vous ne l'auriez pas dans une autre marque en ocre jaune, à quasiment la même couleur, et s'il n'y aurait pas un petit peu plus d'opacité. Mais sinon, effectivement, je pense qu'elle est assez... vous n'allez pas trouver de transparence, d'opacité avec cette couleur-là, je ne pense pas. On continue avec Claude Sabourin. Bonjour, bonjour Claude. Claude. Je voudrais savoir si on peut peindre les premières couches avec du liquin et une fois sec, peindre avec l'huile de lin en respectant le gras sommaire. Est-ce que c'est souvent des questions? Sûrement que oui. Moi, pour moi, il n'y aurait pas de problème parce que faire une première couche avec le liquin, c'est transformer notre peinture à l'huile en peinture alkyde et obtenir un séchage très rapide. Après ça, ci-dessus, vous allez avec le gras sur maigre, ben, il n'y aura pas de problème parce que votre temps de séchage de la première couche de gras sur maigre va être plus long que votre alkyde en dessous. Donc, vous respectez. En fait, respecter le gras sur maigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter un temps de séchage de plus en plus long au fur et à mesure qu'on ajoute des couches dessus. Donc, votre première couche de gras sur maigre, c'est-à-dire que vous allez utiliser 25% d'huile de lin, 75% de diluant à peinture, par exemple, ou 50-50. Mais même déjà, le premier mélange, là, il va être plus long à sécher que l'alkyde. Admettons, même ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez fait votre couche d'alkyde, laissez-la sécher une semaine. Alors, c'est sûr que c'est sec. Et vous partez avec votre gras sur maigre par-dessus. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, l'alkyde, ça se peut que ce soit un peu plus glissant, un peu moins adhérent. Alors, n'hésitez pas à appliquer une couche de vernis à retoucher avant de commencer vos couches de gras sur maigre pour, on va dire, rendre la surface plus adhérente à votre première couche de gras sur maigre. Voilà, moi, c'est ce que je ferais. Moi, c'est ce que je ferais si je devais partir dans ce sens-là. Maintenant, vous pouvez commencer à l'alkyde et continuer à l'alkyde jusqu'au bout. Hein. L'avantage, c'est que ça sèche plus vite et qu'on n'a pas besoin de respecter le gras sur maigre. Donc, je me demande pourquoi vous voudriez aller avec du gras sur maigre sur de l'alkyde. Je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être nous l'expliquer, c'est peut-être un cas particulier, hein, nous l'expliquer dans, les commentaires, là, dans les questions sous la vidéo. Mais tu sais, moi, je ne respecte pas le gras sur maigre. Non. Non, pourquoi? Mais c'est ça, gras sur maigre, on n'est pas maigre. Gras sur gras? Ouais. Et c'est les vacances en France, là. Hein? Là, on aimerait ça être à 10 pour retourner au Mexique. Mais le problème, c'est nous, là, qu'est-ce qui nous aide pas, c'est qu'on, tant que ça, on ne marche pas beaucoup. Hein? On n'a pas le temps de bouger. On n'a pas le temps de bouger, on est tout le temps assis. Oui. Et puis moi, avec mon genou que j'ai mal, je vais avoir une infiltration la semaine prochaine. Oui. Mais aussitôt, là, après, on va pouvoir marcher pour nos calories. Une fois qu'elle sera infiltrée, ça va marcher. Ma tête infiltrée, oui. Ma courir, ma tête en forme. OK, on continue avec Michel. Bonjour, Michel. Michel. Quelle est la différence entre une Marie-Louise et une passe-partout? OK, Marie-Louise, c'était le prénom de ma grand-mère. Maternelle. Mais c'est aussi, tiens, je vais vous le montrer. Alors, voilà la Marie-Louise. Vous avez un encadrement. Ce que vous avez ici, c'est la Marie-Louise. Ici, elle est en tissu de lin. Ici, c'est le cadre. Et ici, là, le petit truc, c'est ce qu'on appelle le filet. Donc, la Marie-Louise qui est ici, là, elle peut être en mélamine blanche, elle peut être en coton blanc, en lin, elle peut être de couleur aussi, elle peut être peinte. J'ai vu des Marie-Louise brun foncé. C'est ça, la Marie-Louise, ce qu'il y a entre le cadre, le filet, et qui élargit l'encadrement. Et on peut avoir des fois des encadrements très larges avec des Marie-Louise très grandes. C'est ça la Marie-Louise. Le passe-partout, c'est une émission au Québec pour les enfants. Pour enfants, passe-partout, oui. Voilà, le passe-partout, ben, c'est comme, ouais. C'est le carton blanc qui est ici sous la vitre. Je vais ici, voilà, je me mets là. Coucou. Ah, mais je le vois. Le passe-partout, c'est ça, c'est le carton. Voilà. Alors, si on fait une aquarelle, un pastel sous une vitre, on met le passe-partout, c'est ça, c'est ce carton. Il pourrait y avoir aussi un petit filet. Il peut y avoir des passe-partout, donc ce sont des cartons assez épais.
Il peut y avoir des passe-partout qui ont deux couleurs. Et au moment où ils vont le couper ici en biseau, on va voir apparaître un petit peu de la couleur d'en dessous. Donc, ça fait comme un petit filet coloré légèrement. Alors, ça prend des outils spéciaux pour encadrer avec un passe-partout. Et puis voilà, donc c'est ça la différence. C'est pas beau, c'est vite expliqué. Mais oui. On continue, c'était sur le webinaire des couleurs. Les questions, oui. Les questions. On vous avait posé beaucoup de questions, puis on n'a pas répondu à toutes. Il m'en reste cinq, puis j'en ai encore cinq autres, puis c'est fini. Parce que c'est intéressant, c'était vraiment des bonnes questions aussi. Oui, c'est pour ça qu'on les a gardées. Oui, ben oui. C'était Jacqueline. Ben alors, bonjour Jacqueline. Oui, sûrement qu'elle nous regarde aussi. Oui. Quelles sont les couleurs à mélanger pour faire la couleur chair et quelques ombres sur un visage? Ah, OK. Les couleurs à mélanger pour faire la couleur chair. Bon, il y a une vidéo dans la chaîne YouTube, comment faire la couleur chair. Elle y est, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez faire une recherche sur la chaîne YouTube. Bon, c'est sûr que dans le cours de portrait, dans la formation La peinture, c'est facile, ou ceux qui ont acheté le cours de portrait à part, on élabore beaucoup là-dessus, énormément, autant dans le cours sur comment faire la couleur chair, mais aussi sur chaque portrait qu'on va travailler. Parce que c'est vraiment très différent d'un portrait à l'autre, d'une peau à l'autre, d'un éclairage à l'autre, donc il n'y a pas une couleur particulière. Faites un exercice simple, où vous prenez vos couleurs, votre palette de couleurs habituelle, et vous allez essayer de reproduire sur votre palette la couleur de la peau de dessus de votre main. Pour commencer, essayez de faire ça. Et là, vous allez être très surprise, vous allez voir que, oh mon Dieu, ça a l'air de tout sauf d'une couleur de peau. Ça va être grisâtre, peut-être un gris un peu beige, un peu une couleur de fond de teint que vous voyez dans les trousses à maquillage. Et des fois, c'est des gris, hein, c'est ça, c'est pas tout à fait la couleur qu'on voudrait, c'est trop marron, c'est trop... Et pourtant, c'est ça, c'est la vraie couleur. Mais si vous prenez, admettons, l'intérieur de la main ou le côté qui va être dans l'ombre de votre bras ici, vous faites, là je le vois ici, si je fais la couleur ici, c'est gris. C'est gris, ça. T'sais? Donc, ça va dépendre vraiment, c'est au cas par cas. Et il va falloir essayer, comme tout ce qu'on fait en peinture, il va falloir essayer de retrouver la couleur qu'on a sur notre modèle, l'imiter et l'utiliser sur notre tableau pour chaque partie du visage. Mm-hmm. C'est sûr, on n'a pas toute la même couleur, là, il y a plus foncé. Il n'y a pas de recette miracle. Non. On continue avec Virginie. Bonjour Virginie. Sa question, elle dit, comment tu fais du turquoise? Oui. Et pouvez-vous me rappeler comment faire un glacis? Fait qu'on a deux questions. Oui. Comment tu fais du turquoise? Le turquoise, ben non, c'est du blanc. Du blanc. Hein? Et du vert phtalo. Ah oui, tu prends plus le jaune? Moi, je faisais un bleu avant. Non, c'est ça. Le vert phtalo et le blanc, si vous avez un vert phtalo en plus nuance de bleu, parce que vous avez des vert phtalo qui sont nuances de jaune ou nuances de bleu, prenez celui qui est nuance de bleu, avec du blanc, vous allez déjà avoir un beau turquoise. Si pour vous, il n'est pas assez bleuté, vous pouvez rajouter un petit peu de bleu phtalo et si possible, du bleu phtalo nuance de vert et pas du bleu phtalo nuance de rouge. Donc, le bleu phtalo, le vert phtalo, du blanc, vous allez avoir un beau turquoise. C'est l'idéal. On l'a fait, dans le webinaire. Oui, mais peut-être la personne ne l'avait pas vu. Je l'ai montré à la fin du webinaire, oui. Oui, OK. On continue avec le glacis. Oh, le glacis, excuse-moi. Comment faire un glacis? Oui. Un glacis, c'est une couche de peinture transparente. Donc, quand on utilise de la peinture acrylique, on va utiliser du médium à glacis acrylique. Quand on utilise la peinture à l'huile, on va prendre du lichen ou un médium à glacis à base d'alkyde d'une autre marque. Mais le lichen de Winsor & Newton, c'est l'idéal, lichen original. Le dosage idéal, c'est toujours beaucoup de médium, très peu de peinture. Donc, moi, je pars toujours avec à peu près 90% de médium et 10% de peinture. Pas plus de coloration, pas plus de peinture. J'applique ma première couche de glacis sur mon fond. Ma détrempe opaque. Et là, on va avoir quasiment aucune coloration. C'est comme si j'avais rien fait. Mais c'est fait quand même. Ce qui fait qu'à la deuxième couche, là, je répète lorsque c'est bien sec, la même opération, on commence à avoir un petit peu de teinte. Et on va laisser sécher beaucoup, beaucoup entre chaque couche pour pas qu'il y ait de risque que ça décolle ce qu'on vient de faire. Et on va multiplier les couches jusqu'à l'obtention des couleurs souhaitées. Maintenant, si je fais un glacis dans un cas particulier où c'est juste, c'est pas pour peindre au glacis. Admettons, j'ai fait un tableau en opacité normalement. Admettons, je fais un portrait.
Et puis là, je trouve que ma couleur du visage, à un endroit, elle n'est pas dans la bonne teinte. Mettons, c'est trop rouge, par exemple. Mais je ne veux rien défaire à tout ce qui est fait, la texture, le dessin, les ombres, les lumières, les contours. Tout est beau, c'est juste un petit peu de teinte. Mais là, on peut faire un petit glacis, c'est trop rouge, je vais mettre un petit peu la couleur complémentaire du vert. Juste à cet endroit-là, et puis ça va m'apporter ma correction souhaitée. On peut faire une ou deux couches ou trois couches de glacis, mais une pourrait suffire. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut mettre un petit peu plus de couleur dans notre médium. Mais attention, toujours, le principe du glacis, c'est de le faire en transparence pour ne rien cacher ce qui est en dessous, mais juste teinter. C'est des couleurs, c'est des couches de teinture qu'on met. Et on ne veut pas que ça cache ce qui est en dessous. C'est pour ça que c'est particulièrement important de mettre peu de peinture et beaucoup de médium. Et utiliser des peintures transparentes aussi. Oui. OK, on continue avec Claude. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Excusez, quelle différence y a-t-il entre un blanc transparent et un blanc opaque? Alors, le blanc transparent est transparent et le blanc opaque est opaque. Mais c'est quoi leur effet réciproque? Alors, le blanc transparent, c'est le blanc de zinc. Le blanc opaque, c'est le blanc de titane. Le blanc de zinc, il va avoir tendance à peut-être à jaunir un petit peu plus que le blanc de titane, si je me souviens bien. Mais c'est sûr que si j'utilise du blanc de zinc comme j'utiliserais un blanc de titane, je vais être embêté parce que ça sera jamais assez couvrant, toujours trop transparent, ça fonctionne pas bien, on peint pas bien avec. Mais on va s'en servir pour les glacis, justement. Si je veux faire des glacis avec un blanc transparent, donc le blanc de zinc, ça va laisser transparaître tous mes reliefs, mes ombres, mes lumières, comme on a dit précédemment, les textures, les contrastes vont rester là. Mais si j'utilise un blanc de titane, ça va faire comme un voile, même si j'en mets très peu, ça va faire un voile comme de la fumée. Alors justement, vous voyez, si on veut faire de la fumée, du brouillard, on va prendre un blanc de titane. Si on veut juste pâlir un petit peu sans faire un voile, on va prendre un blanc de zinc. Sinon, au niveau du temps de séchage, c'est à peu près pareil. Le blanc de titane, il est plus épais, il est plus sec un petit peu. Le blanc de zinc est plus souple, il est plus huileux. Et il existe un autre blanc qui est le mélange de zinc et titane. Surtout chez Winsor & Newton, ils appellent ça le soft mixing white. En français, je ne sais pas. Là. Et donc, ça va nous donner l'avantage un peu des deux. C'est un petit peu moins... on va dire opaque que le blanc de titane pur. Par contre, on va avoir l'avantage d'une meilleure fluidité. Il va être plus fluide, plus facile à étendre, plus facile à utiliser. Voilà. J'ai fait un cours sur les blancs. J'en ai fait un, oui. Alors, je ne sais pas si c'est dans YouTube, mais c'est sûr qu'il est dans la formation. OK. On continue avec Sophie. Bonjour, bonjour Sophie. Hey, moi, c'est pareil, cette semaine, je suis fatiguée. Ah oui, moi, bon, je suis fatiguée. Il a dit, va-t-on évoquer le paquet? Ça paraît fatigué. L'opacité mentionnée sur les tubes par un carré noir, vide ou moitié vide, moitié noir. Oui, j'ai pas compris cette question-là. Alors, voilà, c'est ça. Par exemple, tiens, ici, alors, ça, c'est du jaune indien, donc nuance de jaune indien, de chez Golden. On voit là, ici, ils nous mettent un coup de pinceau sur des bandes noires pour voir l'opacité, mais ils le marquent ici. On a le petit carré. Ici, on a le petit carré blanc. Petit carré blanc, ça veut dire que c'est transparent. Si on prend ici le jaune primaire, vous voyez, on voit le coup de pinceau ici. Si on compare les deux, le noir, okay. On voit qu'il est un petit peu moins transparent. Et là, on voit le carré blanc avec une petite diagonale dedans. Ça veut dire que... Semi-transparent. Semi. OK. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que ça voulait dire très transparent. Non, c'est semi-transparent. OK. On m'avait corrigé là-dessus. Ensuite, ici, vous avez le magenta primaire. Et là, vous voyez que vous avez un petit carré mais noir. Avec une diagonale, moitié noir, moitié blanc. Donc ça, c'est semi-opaque. Puis là, c'est opaque. Et l'autre, alors j'ai du mal à les tenir. Putain. À la caméra, ici. Non. Tourne vers là-bas. Voilà. Descends un petit peu, c'est bon, t'es bonne, t'es bon. Et là, c'est l'ombre naturelle. Voilà, on le voit, c'est opaque et vous avez le carré qui est plein. Voilà, donc là, on a les quatre. De droite à gauche, ou de gauche à droite, allez, l'opaque, le semi-opaque, le semi-transparent et le transparent. On frotte les tubes. Il est droite à gauche ou gauche à droite?
C'est parce que, oui, pour nous, pour vous, c'est pas... Droite à gauche, gauche à droite, ça dépend, c'est pour nous, pour vous. Hein. Ah, c'est ça. OK, on continue avec Elisa. Bonjour, Elisa. Bonjour, Elisa. Peut-on mélanger directement sur notre toile quand il s'agit de petites couches? Bien sûr. Petite touche. Petite touche, excusez. Petite touche, oui. Bien sûr. Mais moi, je fais souvent ça et je préfère bien faire ça souvent. En fait, voilà, on fait nos mélanges sur la palette quand on fait de la peinture, hein, comme tout le monde. On fait nos mélanges sur la palette, mais si on prend la couleur telle qu'elle est sur la palette et qu'on la met sur notre tableau partout, ça va faire des aplats. Hein, à moins que je me mette à faire, bon, ben, je sais pas moi, mettons j'ai du feuillage dans un arbre, je me fais 4 ou 5 verres, puis je fais des petites touches comme ça, je vais avoir des différentes couleurs, ça va faire de la modulation, mais chaque tâche, individuellement, n'est pas modulée. Chaque tâche est un petit aplat, des petits aplats les uns à côté des autres. Puis on va les fondre, ces couleurs-là. Il faut les fondre un petit peu. On ne va pas laisser ça à des petits points comme ça, à moins qu'on fasse du pointillisme, mais sinon on les fond un petit peu. Et là, ça y est, je commence à faire du mélange sur la toile. Mais admettons, j'ai fait un feuillage, là, et puis j'ai mis plein de petites taches, un vert qui est trop pâle. Eh bien, je veux rajouter le foncé un petit peu par endroit. Puis je reviens, je peux prendre du noir que j'ai fait moi-même, pur, là, et je viens en mettre quelques petites taches. Ça va foncer mon vert à certains endroits. Donc, je mélange à cette couleur qui est encore fraîche, ce vert pâle sur la toile. Donc, oui, je mélange sur la toile. Sans vraiment s'en rendre compte, quand on fait de la peinture, on mélange toujours sur la toile. Surtout en peinture à l'huile. En peinture acrylique, c'est moins, on va dire, c'est moins sûr parce qu'on peut revenir sur une zone qui est complètement sèche où là, mes nouvelles touches ne vont pas se mélanger à ce qui est en dessous. Mais généralement, quand on fait ça, c'est volontaire pour avoir, admettons, tiens, des reflets de brillance sur l'eau. Je fais toute mon eau foncée, puis je reviens avec des petites touches de pâle après, volontairement pour montrer ces petites vagues qui sont très découpées. Là. C'est pas mélangé, c'est vraiment découpé. Alors là, l'acrylique, ça va. Ça se mélange pas sur la toile. C'est une volonté. Mais sinon, oui, la plupart du temps, je mélange sur la toile lorsque je fais de la peinture. Et souvent, même en acrylique, je vais peindre dans le frais, pour que mes couleurs se mélangent sur la toile, assez rapidement, je change de couleur pour faire mes fondus, mes dégradés. Mmh. Un peu comme je l'ai fait là-dessus, hein, c'est pareil. Vous avez vu, quand j'ai fait ça, ça a été vraiment... Je travaillais beaucoup dans le frais, puis c'était très mélangé sur la toile aussi. Mmh. Il y a quelqu'un qui avait dit, « Ouais, je trouve que les couleurs sont sales, sont ternes. » Parce que j'ai utilisé la palette Zorn. Ben oui, c'est ça, c'était le... Le but, c'était d'utiliser une autre palette. Les couleurs sont... Disons que si on avait eu le bleu pour faire le ciel, on aurait pu avoir des couleurs beaucoup plus vives. On est d'accord. Mais ça aurait donné autre chose, un autre tableau, un autre style au tableau. Prenez, allez sur Internet et vous tapez, je ne sais pas moi, les tableaux de... comment il s'appelle ? Un artiste peintre québécois qui fait des toiles, justement, Le Mieux. Je connais pas. Mon Dieu, c'est quoi son prénom? On voit des tableaux comme ça, ces arrière-plans, ces paysages sont très, très ternes et ça donne un super beau style à son tableau. Alors, c'est Le Mieux. Hein. Il va falloir que quelqu'un me donne le prénom, je ne me rappelle plus. Ah, c'est pas grave, ça me reviendra. Okay. Mais c'est ça, donc c'est un style. Alors, moi, je trouve ça bien. Franchement, honnêtement, je vous dirais personnellement, je préfère ça au même tableau avec un ciel bleu. Un ciel bleu vif, là, ça aurait enlevé la vivacité des oranges ici, des jaunes, des avant-plans. Peut-être que la maison aurait paru peut-être un peu plus vive. Éteint à cause du ciel? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de bleu, là. J'ai utilisé, pour faire ça, j'avais du noir, de l'ocre jaune et du rouge cadmium. Okay. C'est tout. Okay. C'est tout. Juste ces trois couleurs et le blanc. Mais c'est le principe de peindre avec une palette limitée, très limitée, qui va nous apporter beaucoup plus en matière d'harmonie dans nos tableaux, d'harmonie colorée. Et moi, franchement, je vous dis, j'aime beaucoup ça.
Fait qu'on finit avec une personne qui a demandé une question. J'ai reçu un email et puis j'aimerais répondre à cette question parce qu'elle concerne les vidéos YouTube. Oui. Puis, je ne me rappelle plus c'est qui, je n'ai pas marqué le nom. Je sais pas c'est qui. Bonjour. Bonjour, vous. Alors, on m'a demandé où poser les questions parce qu'elle voit sur les vidéos YouTube qu'on répond aux questions, mais où les poser? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est par courriel ou autre? Non. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sous la vidéo. Du mercredi, du samedi. C'est marqué commentaire. Même si c'est une ancienne vidéo, oui. Vous pouvez poser la question parce que nous, on a tous les commentaires s'affichent dans l'ordre d'apparition des commentaires où ils ont été placés. Sinon, peu importe les vidéos. J'ai une petite cloche même qui. Oui, c'est ça, la petite cloche. C'est ça, la petite cloche. Où tu vois tous les commentaires, même s'ils ont été placés sur une vieille vidéo. Oui, je vais donc, voir. On va les prendre et on y répond le samedi. Voilà. Donc, c'est sûr que des fois, on ne voit pas, comme des fois, je dis. Cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit, comme ça y est aujourd'hui aussi dans toutes les vidéos. Il y en a qui disent « Ah, j'ai pas trouvé. » Ben, c'est parce qu'il faut développer la suite de la description de la vidéo en cliquant sur la petite flèche qui est ici en bas à gauche, juste en dessous de la vidéo. Il y a une petite flèche là. Ah oui, moi, elle est tombée à terre. Elle est là. Attends, on va y arriver. Elle est là. Et hop, ça développe la description de la vidéo. Parce qu'elle est longue, la description, puisque je marque même les questions qui ont été posées aujourd'hui, je les marque dedans, et vous avez les liens pour tout ça. Et en dessous de toute la description, en dessous, vous avez les commentaires, vos questions, et c'est super, parce que là, par exemple, samedi passé, il y a beaucoup de gens qui ont fait des beaux commentaires pour Véronique. Oh, Véronique était... Elle est venue répondre à tout le monde. Oui, elle était elle vraiment fine. Chaleureusement touchée. Mais je pensais que... C'est qui répond pour nous, là? Delphine. Ah, Delphine, excuse-moi, Delphine. Puis, je pensais que c'était Delphine, mais non, c'est Véronique qui répondait, était vraiment, vraiment contente. Elle dit, mon Dieu, qu'elle dit, votre monde, elle dit, sont chaleureux. Oui, oui c'est vrai. Vous êtes vraiment des super personnes, et puis on vous aime beaucoup. Oui. Et puis, on a tout fini, ça on a tout fini. Ce qui fait que là, on va vous mettre maintenant la visite chez Micheline. Micheline. C'est bon? Oui. Et qu'on se retrouve tout de suite avec Micheline. Micheline deuxième. Ah, vas-y. Savez-vous pourquoi qu'on rit? Non! Faut le dire, hein? Je sais pas pourquoi on rit. Faut le dire. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on parlait devant vous, mais vous étiez pas là, parce que la lumière rouge était pas allumée. Il y a quelqu'un qui avait pas appuyé sur le bouton. La caméra. À qui la faute? Fait que là, on est chez Micheline. Mais bonjour, Micheline. Bonjour, Micheline. Bonjour. Je sais qu'est-ce qu'elle va faire, là. Mais merci beaucoup de nous recevoir chez toi, puis de nous partager aussi, surtout de nous pardonner de recommencer. Ah, là. Ça me fait plaisir. On ne recommencera pas trois fois, là. Non. Bon, ça fait combien de temps que tu peins? J'ai commencé à peindre en 2004, autodidacte, comme on dit. Et puis après ça, ben, j'ai progressé. J'ai pris des cours de peinture avec un professeur. Puis là, j'ai changé. Je suis avec René puis un autre professeur. Alors, je peins depuis ce temps-là. OK. Puis j'adore peindre. Puis je crois que tu peins à l'huile, hein? Je peins à l'huile, oui. Seulement qu'à l'huile. J'ai essayé l'aquarelle. L'acrylique. L'acrylique. Oui. J'ai pas aimé. Je suis désolée. J'ai pas aimé. J'aime pas. Non, pourtant, on peut pas tout aimer non plus. Non, ah, ben, en fait, c'est ça. C'est difficile, quand on fait de l'huile, de passer à l'acrylique parce que ça s'éjuit, ça surprend. Ça, ouais. On n'a plus le confort qu'on avait avant en peignant à l'huile. Donc, c'est vrai que le changement est difficile. Oui. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. Passer de l'acrylique à l'huile, c'est difficile aussi. C'est difficile. On le sait, oui. Oui. Et moi, je peins les deux, puis j'adore les deux. Oui. Mais je pratique les deux. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a dû être difficile aussi. Mais ça fait trop longtemps, je ne me rappelle plus. Et depuis, je me suis habituée, voilà. Là, on voit une toile que tu peins. Est finie? Elle est finie, oui. Elle est terminée, celle-là. Oui, c'est d'accord. J'ai fait en 2019, celle-là. Mais ça, c'est... Puis elle m'a appelée, elle m'a interpellée, puis je l'ai fait. Ah ben oui. Ah, ouais.
C'est bien, une belle harmonie colorée. Ouais, ouais, oui, assez ouais. Monochrome, c'est ouais. Beau. Ouais. Belle lumière aussi. Eh oui. C'est quoi, c'est des pélicans de... Des pélicans de Myrtle Beach, quand on allait en vacances, j'avais pris une photo. Ça, c'est en 2005, c'est dans mes débuts, ça. Oui, OK. Une toile des débuts de l'artiste. Oui. Ah oui, c'est beau, c'est déjà bien, franchement. L'harmonie colorée, là, le bleu, c'est quasiment monochrome bleu, un petit peu de brun en bas, de beige. Le mouvement, la direction des oiseaux, c'est une photo personnelle, c'est une ça photo personnelle, c'est vraiment oui. Bien, oui. 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 Après ça, c'est sûr que, donc, comme tu dis, c'est à tes débuts, donc... Il y a des choses qui seraient à refaire. Là, voilà, on a évolué, hein, oui. C'est ça. Oui, c'est l'évolution. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu les ferais beaucoup plus réalistes. Oui, possiblement que oui. Il n'y aurait peut-être pas un aplat comme on voit des aplats sur les ailes. Il n'y aurait pas non plus ce petit contour noir qui fait tout le tour de l'aile et de l'oiseau complet. Ouais. Et ces choses-là qui quand même, même si c'est là, ce n'est pas un défaut, ça donne un certain style au tableau aussi. Ouais. Ouais, mais ce serait à refaire, je les ferais plus haut à ce moment-là, puis je ferais peut-être probablement plus d'assemble okay. De la base. Oui, mais le fait que tout soit bleu avec juste un petit peu, c'est tout de l'eau sauf cette partie-là. Oui, oui. C'est tout petit. Tout petit, oui. Et ça renforce vraiment le message du tableau, la quantité de l'eau, la force des vagues, le vol des oiseaux qui volent au ras de l'eau. Okay. C'est ça qu'on voit, qu'on ressent. Mm-hmm. Si tu étais parti vers plus de sable, un petit peu plus haut, mettons un tiers de sable et deux tiers d'eau, quelque chose de plus classique en termes de composition, monter un petit peu les oiseaux ou autre, peut-être que ça serait plus normal. Ah, OK, je comprends la différence. Ça serait moins fort au niveau l'intensité du, on va dire, de l'image. OK. Tu sais, quand on parle de la règle des tiers... On met l'horizon au tiers du bas ou au tiers du haut. Ouais. Bon, si on décide de le mettre au tiers du bas, je dirais que s'il est encore plus bas et que des fois, il y a juste une petite ligne de terre en bas, ça peut donner un effet... On va dire que le côté dramatique est plus fort. C'est plus fort. Si on le met plus bas. Là, c'est plus dramatique. OK, d'accord. C'est plus dramatique parce qu'il y a très peu... S'il y a beaucoup d'eau et très peu de terre, ça renforce... le tableau. OK, je comprends. Là. OK. C'est plus beau que si c'était classique. OK. Au niveau de la composition. OK, d'accord. Ça, les oiseaux, ils sont en bas à gauche, ça marche, ils s'en vont vers la droite, ça va bien aussi. Oui, oui. Le sujet principal dans tout ça, ça serait cet oiseau-là. Oui. Je dirais. OK. De par sa position dans la composition. Cependant, lui, parce qu'il est plus noir, il ressort plus. Mais ça peut être lui aussi le sujet principal. Okay, ça dépend comment on le voit. Parce que lui aussi, il est en bas à droite. Ouais. Tu vois, mais lui, il est presque dehors du tableau. Alors que lui, il a plus de chemin à faire, il est plus grand. Okay. Il y a peut-être un peu d'ambiguïté entre ces deux oiseaux, là, mais... OK, je comprends. Peut-être que... Ben, je sais pas. Tu sais, c'est bien, c'est super bien. OK. Maintenant, est-ce que moi, j'aurais... effacer un peu le noir pour que lui ressorte plus de noir sur lui et moins sur l'autre. Ah, ok. Mais là, j'ai un doute après sur le triangle de composition. Je sais pas. Peut-être lui, on l'aurait agrandi plus, comme ça, et lui un peu plus petit. C'est difficile. Alors là, on a une ambiguïté. Moi, je pense que le sujet, c'est lui. Parce que c'est lui qui ressort plus. Ok, d'accord. Il ressort vraiment plus, ouais. Ok. Ouais. Et il est bon, il est bien placé dans la composition, tout ça. Lui, il fait plus comme un avant-plan, mais voilà, en fait, comme avant-plan, lui, il risque un peu trop de nous distraire du sujet principal. OK. C'est ça. Hein, comme quoi, on peut parler longtemps sur... Oui, hein? Sur deux oiseaux, hein? Là, il y a des fleurs à droite. Oui. On a un tableau en cours, c'est pas terminé, ça? Non, c'est pas terminé. Avec ton pinceau. Oui, c'est ça, tableau. Tableau en cours, oui. Ce pétale ici, là, on a vraiment l'impression qu'il est en trois dimensions, qu'il ressort, qu'il se détache beaucoup du tableau. Il se détache du fond même, parce qu'ici, il y a un petit peu de foncé en dessous. Et le bleu, le fond bleu, tu l'as foncé un petit peu en dessous, donc ça donne un effet presque de trompe-l'œil, qui ressort, vraiment ça ressort, à cause de tout ce foncé-là, et le petit qu'il y a sur le bleu, là.
Alors, tantôt, je suis venu, j'ai touché, j'ai dit, ah non, c'est plat. On a vraiment l'impression qu'il y a une bosse. Okay. Comme pétales, quoi? Au niveau des pétales, il va falloir que de la fleur, il va falloir que je sombre comme tu as oui. mis partout. C'est ça. Ici, la fleur, elle est un peu plate pour l'instant. Ouais. Okay. Là. Il manque un petit peu d'effet tridimensionnel. Ouais. Donc, comme ça, cette partie-là de pétale passe en avant et l'autre derrière, il faut défoncer un petit peu ce qui est derrière. Le bas ici, ça recourbe un petit peu en dessous. Ouais. Donc, il faudrait foncer aussi un petit peu en bas progressivement. Okay. Et le cœur. Tu peux à ce moment-là rapisser le cœur, comme sur la photo, le rapisser un peu, il n'est pas trop gros. Ah oui, aussi, pour qu'il soit un peu plus conique. Juste peut-être en enlever un petit peu ici, comme ça, là, légèrement. Ouais. OK. Puis ici, un petit peu aussi. Okay. Oui. Un peu plus de foncé de feuilles ici. OK. Plus foncé dedans pour le creuser, puis progressivement, ça s'éclaircit en montant. Parfait. C'est bien, c'est... Puis voilà. Et... beaucoup de références pour ce tableau, c'est bien. Ouais. Des photos de Liscala, des dessins, photos en noir et blanc, photos en couleur. Et oui, puis je vois aussi que tu as préparé ici derrière. Oui, c'est mes soupirs de bébé. J'en ai un contenant oui. ici, comme ça démo, ici, là. Pour que je vais rajouter après, là, que je vais intégrer. Je vais en faire sortir un peu ici à travers les deux fleurs ici, mais pas, je ne veux pas mettre ça trop haut non plus. Je ne veux pas que ça prenne toute la place. Non, c'est ça. Il ne faut pas que ça... Mais disons que si tu en mets juste un peu ici, oui. Ça va être trop juste ici. Okay. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un petit peu ici et là. Si tu en mets un peu là, il en faut aussi un petit peu ailleurs, mais oui, pas chargé non plus. Non, juste... C'est ça. Qu'il y en ait un petit peu derrière, peut-être un petit peu devant aussi, que ce soit mélangé, ben, comme un bouquet. Hein. Oui. Ça serait bien, oui. C'est qui? C'est moi. C'est une création, c'est moi. Mon mari m'avait pris en photo sur un petit banc en haut, dans l'entrée. Et puis, j'ai rapporté ça sur une roche, dans un champ de fleurs, avec un lys de calotte. C'est ma fleur préférée. Alors, ah oui, hein? Oui, j'adore les lys de calotte. On le retrouve. Eh oui. Beau travail. Pas évident. Non, ça a été un peu difficile. Je suis pas habituée à faire des mains et des visages, mais Oui, les mains, c'est difficile. Oui, absolument. Oui. Oui. Je suis très fière. Il y a beaucoup de petits détails, belle profondeur aussi dans le champ derrière. Tableau peint sur une... Ça, c'est une 24-36? Oui, 24-36, je pense. Oui, je pense que oui. Toile profil. En 2018? Oui, 2018, oui. Et oui, c'est un profilé galerie, toile épaisse comme ça, avec les côtés peints aussi. Donc, le paysage se poursuit sur les côtés. Oui. Un portrait. Oui, c'est une photo un plein pied. De Saint-Donat. Ah, OK. Il est à Saint-Donat. Alors, sur le... C'est lui, Saint-Donat? Non. Ça, c'est qui, non, lui, non? Ah, c'est mon amour. Ah! C'est mon amour. C'est mon amour. Oui, ça, c'est un tableau en cours. Hein, oui, c'est un tableau en cours. Il y a encore beaucoup de travail. C'est ça, le pied, oui, effectivement, si on regarde comme sur la photo, il penche trop. Il faut le mettre un petit peu plus horizontal, légèrement. Oui. Et comme c'est un pied qui vient vers nous, on appelle ça un raccourci. OK. C'est difficile, hein. Il faut vraiment regarder de proche le pied, ou même les deux, peut-être imprimer une photo où on voit un agrandissement des chaussures. Oui. Bonne idée, ça. Et les faire vraiment juste comme on les voit, sans penser que c'est des pieds. Parce que sinon, on a tendance à les faire partir de côté. Oui, c'est ça. J'ai d'amuser. Alors qu'ils viennent vers nous. Et c'est en observant bien où sont les ombres et où sont les lumières et les formes, tout ça, qu'on va réussir à le faire pareil. D'accord. Maintenant, là aussi, ce que tu peux faire, comme tu nous avais dit, tu pourrais faire pour ça, là, que ce soit plus facile, mettre le tableau à l'envers et le dessin à l'envers, la photo. Travailler à l'envers, ça va aider énormément aussi. OK, parfait. Pour oublier que c'est un pied et faire les choses vraiment comme on les voit. Ah, et non plus comme on les pense. C'est ça le problème, parce que quand on a tendance comme à refuser la perspective, le raccourci pour mettre les choses de côté. On a du mal à les faire, tu sais, qui viennent vers nous. Okay. Et c'est comme ça, en mettant le tableau à l'envers, le modèle à l'envers, ça va aider. Je vais l'essayer. Ouais, ouais, ouais. Je vais l'essayer. Ah ouais, il y avait un petit problème de perspective au banc aussi. Oui. Parce que, tu sais, on a quand même une belle perspective, tu sais, c'est bien, vraiment... Je vais mettre ici, voilà, j'aligne ici, peut-être c'est un petit peu plus loin, peut-être encore plus loin, on est dans l'axe partout là, c'est bon.
sauf il y a lui. Un petit peu ces deux, mais surtout lui ici, okay. Qui devrait être plus un petit peu comme ça, voilà. Ah, ok, d'accord. On arrête ici. Ah, lui, c'est bon. Lui, un peu plus comme ça, là, voilà. Ok, oui, oui, je le vois. Parce qu'ici, c'est trop rétréci par rapport à ici. C'est sûr que ça rétrécit, mais trop. Par contre, de là à là, ça rétrécit pas assez par rapport à là. Oui, oui, je le vois, là. C'est ça. Voilà, après, le reste, ça, c'est bon. Et puis ça aussi, ça, c'est ce qui est en dessous, là-bas. Oui, c'est ça. Lui aussi est en perspective. Mm-hmm. Donc, il devrait s'aligner comme ça aussi, à peu près comme lui, là. Ok, oui. Parfait, ça. Et voilà. Et hop, ça serait bon. Ici, c'est bon aussi. Au niveau de la végétation. Ça, ici, le buisson qui épouse la forme de la tête derrière. Ouais. Ça fait bizarre. T'sais. On l'a sur la photo, c'est là. Ouais. Ça existe en vrai. C'est vraiment comme ça. Mais sauf que au-dessus de sa tête, ça y fait comme une espèce d'auréole. Okay. Fait, il faudrait modifier la forme de la végétation pour éviter cette répétition. T'sais, on a la forme ici qui est répétée ici. Okay. Tu veux faire l'arrondi, tu peux le faire un petit peu plus par là ou un petit peu plus par là-bas. Il viendrait comme ça, il redescendrait un peu ici. Ah, oui, oui, oui. Okay. Ça irait. T'sais, après, tu peux le remonter un peu en haut pour rattraper là. T'sais, hop. Ouais. Juste le décaler. La décaler, ok. Ouais. Bonne idée. Oui. Ah, ouais. Et pourtant, c'est là, tu l'as bien fait, c'est là sur la photo. Mais sauf que des fois, sur les photos, il se passe des choses qui ne sont pas très esthétiques. Ok. Avec le tableau, vient la recette, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, les couleurs, vert, bleu, rouge, orange, érable, tout ça. Côté gauche, descendre des arbres, tu sais, c'est Ça, c'est la recette que tu t'es écrite oui. en cours de route. En cours de route. L'améliorer. L'améliorer, les corrections à apporter. Ah oui, c'est ça, c'est bon, oui. pour ne pas les oublier, non, savoir pour ça. S'organiser. Oui. Mais avant ça, avant de commencer le tableau, tu as aussi une feuille de route. J'ai une feuille de route, oui, aussi, pour les couleurs, que je dois mettre, les tubes et tout ça, et je m'organise comme ça. Eh oui. J'ai toujours deux ou trois feuilles qui suivent les corrections, parce que des fois, je vais apporter trois couches au tableau. Alors, ça veut dire que celle-là, quand elle va être finie, puis que je vais voir qu'il y a des erreurs, je vais en faire une autre ou je vais la mettre de l'autre côté pour emporter les corrections que j'ai emportées. Ah, voilà. Comme ah, là, oui. comme ce que tu me dis de faire, là, tantôt, oui. je vais l'écrire en tu bas. Tu vas l'écrire et puis là, je vais l'écrire en bas pour emporter les corrections. Eh oui, c'est bon. Hein? L'organisation, ça aide énormément en peinture. Hein? Oui, surtout, tout à fait. Oui. Écrire les... C'est ça, la liste des couleurs que je vais utiliser pour le tableau oui. et la marche à suivre du début jusqu'à la fin. Oui, et quand j'ai fini ma toile sur mon papier, là, sur ma palette, je mets toujours un papier ciré sur les couleurs. Oui. Là, je marque, mettons, comme Pierre, je marque Pierre dessus. Parce que si j'ai deux, trois feuilles, bien là, je ne me rappelle plus où est-ce qu'ils sont. Fait que oui. je marque Pierre, alors je vais chercher la feuille de Pierre puis je continue à faire avec les mêmes couleurs. Toute une organisation, hein? Wow! Ben, j'essaie d'être organisée, là. Ça fait partie de moi. La documentation, le matériel. Alors, le matériel, on a ici les médiums, le médium 1, 2 et 3, le solvant, tous les couteaux ensemble, les petits pinceaux ensemble, les grands pinceaux, le diviseur proportionnel. Je l'ai mis là exprès pour toi, pour que tu puisses le voir. Ah, ben, je l'ai vu, c'est bon. Moi, il est dans mon coffre. Mes petites choses en maquillage. Des éponges à maquillage. Oui. Un outil de peinture que je ne connaissais pas. Quand je fais des erreurs, je le trempe un peu dans ma tatine et je vais faire la correction et je recommence après. Des fois, je peux utiliser un Q-tip aussi. Ça dépend de l'erreur que je fais. Ah oui. On va traduire pour les Français de France. La Taltine, c'est du diluant à peinture, parce que Taltine, c'est la marque. Mais ce n'est pas la marque, c'est le produit Demco. Ouais. Hein, et le Q-tip, c'est le coton-tige. oui, c'est ça, toujours. Un bon peintre doit toujours avoir une bonne pince. C'est utile quand on veut ouvrir les... Pour ouvrir les tubes de peinture qui sont coincés. Ouais. Et j'ai pris ton habitude, René, que tu nous avais conseillé pour la palette de couleurs. J'ai tous les numéros de mes couleurs sur mes tubes pour savoir où est-ce que je m'en vais. Et j'ai une feuille aussi oui. que j'ai en quelque part, là, que c'est écrit... Par exemple, la sienne brûlée, c'est le numéro 8. Voilà. Le...
L'ombre brûlée, c'est le numéro 3. Numéro 7. Oui. Ah, OK. Oui, le numéro 5, c'est le... L'Outre-mer, c'est ça. Numéro 2, c'est le jaune canyon moyen. Oui. Oui. Et c'est ça, l'organisation. Hein. Ça aussi, c'est écrit et c'est sur une feuille en arrière de toi, là, sur mon bureau, là. Ah oui. Là, j'ai une feuille écrite, là. Alors, oui. Tu sais où je m'en vais aussi. J'oublie, ben, j'ai tout ça. Mais à un moment donné, on n'oublie plus, là. Ah, ben là, oui. J'ai tendance à oublier. Ouais, un appui. Un appui-main, puis j'ai les autres en arrière de... Pourquoi il y a marqué MR, là? Mon nom, parce que quand j'allais à l'autre école, c'est mon nom. Hein? Je pensais que c'était Milone René. Ah, non. Michou Robert. C'est des grands appuis en arrière de toi, là, regarde, en arrière, là, j'en ai des grands. Là, ah oui, oui, oui. Parce que moi, je peins souvent debout. Un nez de clown? Un nez de clown, oui. Oui, c'est ça. Pour s'appuyer sur la toile. Voilà, oui. Ah oui, ben c'est bien. Oui, c'est... Surtout quand on peint du figuratif, qu'on fait du figuratif réaliste, il ne faut pas trop trembler, hein, c'est ça. Ça prend des appuis. Et on a une belle documentation. Ça, c'est les e-books. Les e-books, oui. Les e-books qu'on peut télécharger gratuitement, qui sont dans la liste en dessous, dans la description sous la vidéo. Vous avez ce e-book et les autres. Les autres ici. Ouais. C'est même les adidatifs qui est de l'autre côté, dans ma petite bibliothèque, là, le carton vert. Là, ici, bout, là, oui. Moi, ça, c'est les additifs. Ah, les additifs. Oui. OK, ah oui, oui, c'est bon. Ouais. Ça, c'est un tableau en cours. En préparation. En préparation. Bon, c'est juste le dessin. Oui, c'est juste... ça, c'est des fleurs que je retrouve dans mon jardin. Un iris. Le dessin au crayon bleu. Un crayon bleu. Non-photo. Non-photo bleu. Ah, c'est bien, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? De la documentation, il y en a plein là. Oh là là. Ici, on peut peindre et on ne peut pas dire « Ah ben, je ne me rappelle plus comment on fait le mélange de couleurs. » On ne peut pas dire « Il me manque tel outil. » Parce que tout est sous la main. Hein. Le cercle chromatique aussi, tout. Et les chartes de couleurs. Les chartes de couleurs qui sont faites avec tes peintures à l'huile. Oui, peinture à l'huile que j'ai pris sur la peinture, c'est facile, les cours que tu as donnés. Oui, OK, la méthode. J'ai pris la méthode, j'ai pris cette méthode-là. Chaque couleur, ça, c'est toutes tes couleurs. Oui. Par exemple, bon, mais la méthode, ce rouge-là, on le retrouve ici, oui. Etc. Et c'est chacune, ça, c'est ton bleu outre-mer, oui. Bleu phtalo, ça, c'est bleu phtalo. Oui, bleu phtalo. Ça, c'est le vert phtalo. C'est ça. Ce sont tes couleurs à toi que tu utilises le plus souvent. Oui, le plus souvent, oui. Eh oui, c'est bon. Le fait de faire une charte de couleurs comme ça, ça... Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que oui, bon, on va savoir qu'en mélangeant cette couleur et celle-là, on obtient oui. celle-là. Oui. Mais c'est pas juste ça, c'est que pendant que tu les fais, tu pratiques énormément les mélanges de couleurs. Oui. Et tu vas connaître parfaitement tes tubes de couleurs à toi. Oui. Leur force de pigmentation, la... Quand on mélange une couleur avec une autre, c'est naturellement une qui est plus forte que l'autre. Hein, plus fort, ouais. Souvent, on me demandait, ah oui, tu en mets combien? 50-50? Non, c'est non. Jamais 50-50. Combien? Ben, tu ne peux pas le savoir. Fais-le, c'est au fur et à mesure que ça vient. C'est ça. C'est ça. Et puis là, après, à un moment donné, ben, on le sait. T'sais, on est habitué. Elle est toujours proche de moi. Elle jamais loin. Oui. C'est utile. Excellent exercice et excellent outil en même temps. Oui. Cahier? Mon petit cahier, oui. Mon petit cahier avec des notes. Ça, c'est des toiles que j'ai fait en 2014, je pense. Oui, en 2014, avec mon autre professeur. Chaque photo, ça chaque brille. Toile que je fais, je prends la photo de l'image et la peinture. Et j'écris des notes aussi. J'aime beaucoup écrire des notes. Ça c'est ça. Donc, ça, c'est un tableau que tu as fait. Ouais. Donc, tu as la référence encore sous les yeux, ouais. Puis le tableau fini. Ouais. Et les notes qui peuvent te servir si un jour tu veux refaire... C'est ça. Peut-être le même plus tard, oui. Ou bien un autre qui serait un peu ressemblant. Ouais. Voilà, ça, c'est pas encore fait, ça? Oui, c'est fait. C'est fait, ça c'est aussi? C'est en haut. C'est en haut. Ah, c'est en haut, on va le voir, c'est le tableau. Haut. On va voir le tableau. Mais j'ai plus un cahier plus déterminé, là, ici. Ah, ben tiens, on retrouve le nu qui est ici. Ouais. Avec l'artiste à l'œuvre. Oui, c'est ça. Couleur. Oui, celui-là ça, aussi, on va le voir là-haut. Ouais. Eh oui, on va montrer les tableaux un petit peu après, là. C'est bien. Ça, c'est en cours de réalisation. En cours de réalisation, c'est le contrat, celui-là aussi. OK.
On voit marqué ciel violet cobalt, ciel un peu plus bas, outre-mer, c'est ça, c'est bien. Oh, pardon. Oups, c'est bon. De prendre des notes comme ça, oui. On sait où on s'en va. C'est ça. Mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris des notes sur les toiles que je faisais pour me mémoriser puis pas oublier, pour pas faire d'erreur. C'est ça. Peindre sans improviser. Voilà. Et comme ça, on sait où on s'en va, on fait moins d'erreurs. Mm-hmm. On ne se perd pas et on sait toujours qu'est-ce qu'on a à faire. On ne se dit pas, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je peux faire ci ou là? T'sais, on y va, on avance, on roule. J'ai un autre livre de l'autre côté, là, le cartable rose. Là. Le ça, rose? C'est quoi ça? C'est des toiles à venir. C'est des sujets que j'ai trouvés, que possiblement, qu'éventuellement, je vais les faire. Le carnet intime. Le carnet, oui. Mon journal. Journal intime. Ah. Alors, là, si je suis en train de faire, mais là, tu vois-tu bien? Là? C'est brouillé. Là. Des bonnes lunettes. Ça, c'est quelque chose à faire. Eh oui. Ça, c'est une photo. C'est beau comme une peinture, hein, ouais, déjà. Ouais. Ah oui, c'est beau. Hein. Alors, c'est ça. C'est des sujets que j'ai trouvés dans les photos. J'écoute un programme, puis je l'arrête, puis je prends une photo. J'aime beaucoup les paysages aussi. Oui, hein? Ça, c'est je l'ai dessiné, mais je ne l'ai pas fait. C'est où, c'est en Gaspésie, ça? Ah, j'en ai aucune idée. Je dis ça comme ça, mais c'est peut-être ailleurs. J'en ai aucune idée. Ça aussi, j'ai fait une couche, mais je l'ai mis de côté parce que, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Ça une aussi. Couleur particulière de la neige, hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça me colle. C'est la nuit, il y a l'éclairage de rue, c'est ça? Ça fait une neige beige. Ça et aussi, rond. Je l'ai dessiné, mais je ne l'ai pas encore fait, là. J'attends pour être plus... Je connais ça. Les chevaux. Ça, c'est ma pitoune belle que j'ai commencé là, à dessiner. Oui. Ça aussi, je l'avais commencé à dessiner, je l'ai arrêté, je n'avais pas fait les oreilles comme il faut. J'ai essayé de faire avec le... comment tu appelles ça, la chose noire, là? Le diviseur proportionnel? Non, le crayon. Le carbone? Là, le carbone, ah, là, oui. le fusain. Ah, le fusain, oui, OK. Oui. J'essaie de m'habituer au cousin. Ça aussi, je les avais fait sur une petite toile. Ça, c'est les tomates du jardin de Linda. Ouais. Mmh. Elles étaient bonnes, hein? Ah, c'est tous des petits trucs comme ça. Ça aussi, je reconnais ça, oui. Allez, des choses à... Tu t'ennuieras pas? Non. Des références pour des futurs tableaux. C'est ça, des futurs tableaux. Ça, c'est, je reconnais aussi. Oui, le paysage marin. Oui, alors, ça, c'est à Campobello. Les photos de Campobello, ça. Ah, ça aussi, c'est le... Ouais. C'est des toiles que je voulais faire, mais que... Ah oui, il y a des sujets. Il y a des sujets. Ouais, c'est une bonne idée. Ça, c'est faire un cartable comme ça, un classeur. Un classeur pour les Français, un cartable pour les Québécois. France, un cartable, c'est une sacoche. Une sacoche. C'est ça. Au Québec, un classeur, c'est une filière. Vous voyez un petit peu, c'est différent. Mais organisation, très belle organisation, bel atelier, inspirant. Et ben, merci beaucoup. On ne peut que avoir du plaisir quand on peint ici. Hein. Oui, c'est beaucoup de plaisir. Puis j'ai de la musique, j'ai toujours ma musique. Moi, j'aime beaucoup le piano. Ah oui. J'aime beaucoup, j'adore le piano. Un petit Chopin pendant qu'on peint. Ah oui, tout à fait. Thank you.
Ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci infiniment de tout ce partage, toute cette, cette belle exposition. Hein. Et puis, donc, on va se retrouver. De l'autre côté, là-bas. Merci beaucoup, Micheline. Merci infiniment. Merci à vous. Puis, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.